Bonjour les poillettes, bonjour les pognons, et tout ce qui va avec. J'espère que vous avez bien repris la semaine, on se le dit, et que tout se passe bien. Bien, pas bien, bien. Il y a des gens dans mon Facebook qui se demandent un petit peu quoi. Alors, milliards de scènes, oh Dieu, je vais vous réexpliquer le topo. Dichluhe, qui était mon officiel de Facebook, était mon premier Facebook. Et Baraki de Flemal était mon second Facebook d'humour. Voyant que mes vidéos sur image fixe, parce qu'à l'époque on ne me voyait pas, ne fonctionnaient pas, j'ai laissé tomber et je suis reparti sur mon officiel faire le Naikuni. Mais comme mon nom et mon prénom étaient affichés, ça dérangeait les gens et j'ai transformé mon nom en Baraki de Flemal sur mon officiel. Et comme je l'ai expliqué dans une vidéo, je ne sais plus quand, parce qu'il dit Roveil, ben, le mec, il est resté le même, hein, c'est juste les codes qui ont changé avec le même nom, mais sur l'officiel. C'est pas, il y a un truc qui passe pas, ça cale sur l'officiel. Donc Dieu s'est dit, va faire l'inmaïkouli sur ton vrai bras qui te fait mal, plutôt que d'avoir transformé ton officiel en Baraki de Flemal. Donc j'ai remis mon nom d'origine et mon vrai nom de famille sur mon officiel et je suis revenu sur Baraki de Flemal. Eh ben, il faut n'écrire les poyos, les poyettes. Il y en a qui n'ont tout dit n'incompris, hein. J'ai beau les impés et leur expliquer. Mais c'est pire que moi, hein. Moi, je suis obligé de mettre un bonnet pour ne pas que le peu de neurones qui me reste s'évapore. Mais vous, vous avez toute votre conscience. Mais ça ne fonctionne pas, vous ne comprenez pas, hein. Je ne sais pas comment il va falloir faire pour vous faire mousser le tiers, ça n'en dit plus. Je ne sais pas comment il va falloir faire. C'est vrai que pour finir, je ne sais plus quoi faire, moi, hein. J'ai beau vous l'écrire, vous le dire, vous le mettre en route, ça ne rentre pas, il n'y a rien à faire, ça ne rentre pas, hein. Cora Régis, le milliard de Cora Régis, hein. Bon. Mais il y en a chez qui ça a fonctionné. C'est pas mon avis, on n'est pas allé sur la même planète. C'est n'est. C'est n'est. Si Ebib, c'est mon GSM qui est sûr. Il a fait. On est né sur la même planète. C'est n'est ce que je sais pas. Ou alors on ne lisez pas ce qu'on vous envoie. Ou ce que je mets sur mon Facebook. Parce que juste comme ça, comme 90% des gens le font. C'est pas moi, vous avez ça de fumée de tronc. C'est Mickey Fou, mais c'est vous aussi êtes sur une planète. Ou alors, la Bible elle descend convenablement. Il va falloir arrêter. Ben voilà, c'était juste pour dire ça. Et tout ce qui va avec.